pour voir notre arbre, notre objet magique, voir où il s'en sort. Ah voilà, c'est bien ce que je me disais, il y a du neuf. Il y a du neuf, donc le bouclier cassé, donc sort de fragilisation, affaiblit la défense adverse de 5%, qui normalement fonctionne avec tout le monde. Donc vraiment cool. Je crois que ça fonctionne avec tout le monde. À vérifier, mais il me semble. Donc ça fait plaisir. Plus 15% de PV à Hawk, l'amulette à 4 feuilles. Ça fait plaisir. Ah, pour ban les amis. Alors par contre il y aura une ellipse dans cet épisode, autant vous le dire. Donc peut-être assez tôt, vu que la caméra là n'a pas beaucoup de temps. Donc protection de renard, plus 30% de PV à ban. Yes, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ensuite le bracelet de tremblement, plus 10% de puissance de tir, donc os solide. Voilà. Et du coup voilà, du coup on a plutôt bien avancé l'arbre, c'est pas mal. L'amélioration de ban fait plaisir, hein, clairement. C'est vraiment plaisir. Donc c'est parti, on fait l'épreuve 23. Donc l'épreuve 23 on va la faire et ces deux épreuves vont se barrer. Donc bon, on fait celle-là, Twingo Greymore contre Jericho Ban, pierre tordue. Alors ça j'ai un doute, je crois qu'on l'a déjà fait. Mais dans le doute, on le refait. C'est pas grave, ça va pas durer longtemps, de toute façon c'est une quête de terrain. Hein. Donc là ils ont voulu faire deux persos rapides contre deux persos lents. Malheureusement on a les persos lents et on a Twingo en plus. Donc bon. Twingo qui est carrément nul à chier Twingo. Enfin, c'est un perso puissance et bon, il est largement moins bien que Scanor hein, en perso puissance. Hein. Alors, on va voir son attaque. J'aimerais bien toucher les deux. Ah, je ne touche pas les deux, mais je touche Ban quand même. Ah non. Non Jericho, ne fais pas ça. Eh ben je crois qu'elle s'est foirée hein. Putain, fais pas de dégâts, c'est affolant. Oh, putain. Bon, j'espère que je lui mets. J'espère qu'il se prend un dégât. Ah oui, il se prend le dégât, c'est bien. Voilà. Mince, je suis à 9500. Bon, normalement, je devrais avoir les 2000 points en combo, je pense. Conclusion, vous avez perdu. N'importe quoi. Voilà, 11000, parfait. Ah, bonus de frappe, 250 seulement. Ah bah, je suis déçu. Je suis clairement déçu. Bonus de temps et santé qui m'ont sauvé. Bon. En même temps, c'est vrai que j'ai pas vraiment enchaîné ban ou autre, hein. Ah super, il y a encore les deux missions. Bon, on va faire l'épreuve 25, hein, tant qu'elle est là. Meodias, Épée de Lise et Gilsunder contre Felbram et Démon Gris Hendrickson. Oh purée, waouh, 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 waouh. Wow. Alors là, là ça va saigner là, les amis. Ah, sur ce terrain-là en plus, oh, ouais, d'accord. Ouais, là ça va vraiment saigner. Hein. C'est le terrain le plus petit, les amis, donc waouh, 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 waouh. Wow. Oh putain, Démon Gris Hendrickson. Rien que lui, c'est le problème. Tu le sais que tu vas passer un sale quart d'heure quand il est là.
Oh putain. Quel est le rose élu qui éclate le terrain? Tiens, trappe, mange ça. Ah d'accord, bah il a absolument rien mangé. J'ai rien dit. Oh ça c'était sûr. Ce que je lui ai mis là. Oh. L'ulti de Gil Thunder. J'espère qu'il sera plus efficace que moi. Oh oui, il est très efficace. Ah putain. Voilà. Oh là, j'ai fait un beau combo. Hein. Ah ouais, c'est bon, on a 10 000 points. Parfait. Voilà. Ils ont gagné, Laurent S. Et on a fait 400 que bonus de frappe. Je comprends pas hein, le bonus de frappe. Je ne comprends vraiment pas le délire. Va falloir que je me renseigne hein, sur ce bonus de frappe. Alors, et l'épreuve 36, les amis. Donc, le combat 6. Donc, Diane contre King. King et Other. Ok. En gros, Diane contre ses deux prétendants, quoi. Et je pense qu'on va jouer Diane en géante, je pense. Je me le demande, c'est la question. Ah non, sinon il aurait marqué Gideon, on est normal. Ah putain, je m'en disais. Ah, c'est du 2 contre 1. Et en plus, je suis une fille. Non, j'ai pas. C'est pas vrai. Faut pas dire ça. Aïe. Merde. Putain, j'arrive pas à aller. Oh, c'est pas mal. Ah ouais. Putain, je la rattrape, c'est bon ça. Putain, la poisse. Tiens. Oui, 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 oui. Yes. Et voilà, 15 000 points. Parfait, on a réussi à les battre. C'était chaud parce qu'on avait du retard au début, je crois. Et surtout, on se faisait bien combo comme il faut au début. Donc, c'était pas évident. Et on gagne un diamant. Ok, donc là on reste, ça fait plaisir. Et on a fait en bonus de frappe max 1200. Bon. Je dépéris. Alors, voyons voir. Objet magique. Ah, dommage, pas un créé. Dommage, je croyais que ça allait se débloquer, mais non. Bon bah. Tant pis, hein. Ah. Merlin, elle fait chier tout le monde avec son insecte. Alors, Twingo Jericho contre Gila
et Slayer, Crow démoniaque. Bon. Putain, ça m'énerve. On a encore Twingo. Ils vont jamais me lâcher avec lui. Il est nul, Twingo. Il est nul. Naze. Il a des trucs nuls. Il a que des aptitudes nuls à chier, en fait. Et il fait pas de dégâts. Franchement, quoi. Il est naze. Arrêtez avec lui. C'est une croûte. Il vaut rien. Bon, on va voir si je le touche, j'espère. J'espère qu'il n'y ait pas de bug et que je le touche. Ah oui. Ah, je pense que c'est au nombre de touches. Ah, le bâtard. C'est con, il reste quand même suffisamment longtemps, mais bon, il part tellement vite. Mais pourquoi tu me sors ça? Ah, s'il te plaît, faites que ma touche n'est pas encore partie. La touche n'est pas encore partie. Oh non, je le touche pas. Ah non. Ah bah là je vais morfler. Là autant se le dire, je vais morfler. Ah bah c'est bon, je suis à 10 000. Vas-y Jericho, si tu la termines. Ah dommage, si tu la finis pas. C'est pas grave. Bah voilà, on a gagné. Ça va, on a fait 11 000 points, c'est cool. Et santé 0, 250 en bonus de frappe. C'est impossible de faire 2000 points en bonus de frappe avec Twingo. Autant vous le dire. Hein. J'ai l'impression que c'est impossible. Des livres de poésie. Alors, démon ange, sélection du partenaire. Ok. Bon, on va reprendre l'homme de la situation, hein, c'est-à-dire Escanor, comme d'hab. Hein. Escanor, je peux pas. Je vous explique comment il marche, c'est qui fait le café, donc voilà. De 20%, j'ai pas le 30%, ok. Bon, allez hop. Et on va prendre, pourquoi pas. Ah, quoique, avant je vais faire une ellipse. Avant je vais faire une ellipse. On se retrouve juste après, les amis. Allez, à tout de suite. Et re tout le monde les amis. Alors on va partir avec King et Escanor. Je pense que ce duo je ne l'ai pas encore fait. Du coup c'est parti, un démon rouge. Hein. Parle nerveusement. Un gigantesque démon rouge 100. Ok. Ok. Bim. Allez, on l'attaque. Hein. Ah, il y en a deux. Oh. Ah, c'est assez embêtant ça. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On va vite s'en débarrasser d'un. Hein. On est déjà à 10 000 points, vous imaginez. Vas-y, là, on va claquer l'outil.
Voilà, un de moins. Allez, là, le dernier, il va morfler. Tiens. Oula. Allez, tiens, hop. Il est presque mort, les amis. On y est presque. Ah, il naît ce gros démon rouge, là. Rouge sang, comme ils disent. Allez, hop. Tiens, tiens. Et tiens. Voilà. Et c'est une victoire. Un dixième de ma force. Wow, c'était rien du tout ça, corde souple. Une petite corde souple qui fait plaisir. Donc voilà, il nous restera encore un niveau à faire là, il me semble, et il reste deux niveaux du coup. Plus deux annexes, je sais pas où ils sont. Bon. Bah pour l'instant on va laisser tranquille ce coin là, les amis. Ouais, je crois que nous avons tout fait pour l'instant. Alors, voyons voir. On va essayer d'aller en haut pour voir. Dans le nord. Dans le fort du nord. Ah, il y a un petit combat 17 là. On va aller le faire. Alors, croc tranchant. Donc, sélection du joueur et on affronte des Blackhand et des gobelins hide and seek. Alors, on va prendre Melodias. Et... Ouais, elle est bonne. Alors, on va voir combien il y en a. Donc 55 000 on a au total. Je sais pas si pour ban ça compte les PV qui lui ont été rajoutés. Non! Putain, j'arrive pas à faire un combo au-dessus de 11 coups. Ah bah c'est bon, on a 11 000, bah c'est parfait. C'est parfait tout ça. Bon allez hop, on boucle le niveau, hein. Voilà. Tac. Et lui, bim. Voilà, bon bah niveau très très facile, hein. Allons, ban, t'abuses. C'est de la provoque. Ah, tu du nord du Lyonnais, j'ai quasiment rien. 28% seulement. Voyons voir. En même temps, c'est vrai que cette map-là est grande et pourtant, il n'y a rien. Il lâche pas, moi. Alors, on va voir, est-ce que ça spoil ou pas. Signe de la guerre sainte, donc Other Guild Thunder, Blackhand. Ah, ok, bon, moi celui-là on peut le faire en Onyx.
Un onyx, c'est parfait parce que c'est pour Diane. Oh, super. Croc tranchant, donc boucle d'oreille robuste, donc diminuer les dégâts d'attaque de 10%. C'est pas mal. Donc c'est cool. Hop, l'onyx, on va pouvoir l'utiliser, c'est pour Diane. C'est parfait. Allez, c'est parti. Lorsque la capitale informe Gisunder à Hauser de l'approche des démons du nord de Britannia, les chevaliers partent s'en occuper sur le champ. Hauser interprète cependant ces signes comme l'approche de la guerre sainte. L'approche de la guerre sainte. Ouh là là. Attention. J'ai reçu dans les frères les habitants. Il semblerait. C'est bien ça. Alors, quelle solution apporter, Gil? Que pouvons-nous faire si ce n'est les exterminer? Je suppose, allons-y. C'est un rien de personnel, je fais juste mon travail. Et c'est sur la map que je déteste, autant se le dire. Non! J'ai raté mon combo. Voilà. Mais non, j'ai raté le combo, putain! Rising Tornado. Ah, je suis à 16. C'est pas mal. Non, j'ai raté. Putain. Ah, la poisse. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on a fait un gros combo. Je pense. Et on a en tout cas pas perdu de vie. Enfin, presque pas perdu de vie. Je pense qu'on a le... J'espère qu'on l'a. On va voir si on a eu 2000 points là avec le combo. C'est tout, décevant. À quoi t'attendais-tu, un noble duel à mort? Non, mais quelque chose d'un peu plus excitant. Ça n'était tout de même pas la guerre sainte de la prophétie. C'est peu probable, tu peux dormir tranquille. Une guerre sainte, mais contre quel ennemi? Tout de même pas les Seven Deadly Sins, si? Qui sait? Quoi que l'en soit, notre mission est terminée, rentrons. Oui, c'est bon, parfait. 1650 de bonus de frappe. Ah, c'est pas 2000, hein, mais bon, c'est déjà bien, donc il faut faire à peu près 30 pour un bon bonus de frappe, quoi. Ok. Enfin, je regarde, il y a peut-être un atout qui donne bonus de frappe amélioré. Là, le 4 secondaire disponible aux forêts du roi des fées. Ok. Et ben, on y va de ce pas. Alors, hop, pour Diane, ça fait plaisir, donc 15 PV. Et 15 plus 15% de PV à Diane. Ça fait plaisir. Donc ensuite après ce sera Melodia, sa corne de dragon. Ok. Alors par contre je voulais regarder dans équipement. Voyons voir. Au moins durée d'attaque en coop de 10. Manque la limite de frappe combo de 10. Ah je crois que ça va être ça. 60 cristaux magiques. Affaiblir défense. Renforce sa défense de 20%. Ouais. Ouais, je crois que ça doit être ça. La limite de frappe de combo de 10%. Je pense. Alors. Ah, il y a une petite excursion qui est apparue. Coup de main 9. Donc, Elisabeth Rock contre des gardes. Talisman ancien. Dans l'espoir de trouver de l'aide de son côté, Elisabeth part rassembler les objets. Ok. Donc, c'est parti. Petite excursion numéro 9. Alors ce qui est pratique c'est que j'ai enfin compris comment contrôler Hawk. Voilà. Et tout de suite ça facilite une vie. Hein. Voilà. Ça c'est fait. C'est vrai pourquoi je m'emmerde? Autant que je les garde tout de suite. Voilà.
Ah, il y a encore une suite là-bas, ok. Alors, on va se dépêcher de récupérer les ingrédients. Donc là, maintenant, maintenant que tu sais contrôler aucun, c'est... Ça... Ça aide une vie. Ah bah non, il n'y en a pas de suite. Ils sont là, les 6 autres. Ah bah ok. Tac, le cinquième qui est là. Donc on a 3 vies maintenant avec Isabeth. Bon, ce qui est franchement pas très très utile, hein, maintenant que, qu'on contrôle Hawk. Je pense pas qu'on sera vraiment en PLS, mais bon. Et voilà, du coup c'est fait. Et Laurent S. Alors. Alors on va voir, il y a la petite épreuve 17 là à faire. Donc faune féroce, donc ban contre les Black Hound, vieille pièce en pierre. Donc c'est pour ban. Grâce à ça on va pouvoir l'améliorer. Ah non, je suis épuisé. La poisse. Putain, j'étais à 28. Oh, quoique. Oh, bah ça va peut-être pas être utile, les amis, finalement, pour le bonus de frappe. On va largement le régler, le... régler leur compte. Ah ouais, c'est bon. Le rang S est plié, comme on dit. Ah, il y en a beaucoup, hein. Mais je ne perdrai pas. Je ne peux pas perdre. Voilà. Le Vanishing Kick, il est vraiment bien. Il est vraiment pratique. Allez, c'est parti. La troisième Spals. Allez, hop. On les démonte tous. Hop. 22 000. Tac. Et voilà. Ah ouais, le Vanishing Kill, il est génial. Je pense que c'est la meilleure attaque de ban, celle-là. Il ne meurt pas. Effectivement, hein, les immortels ne meurent pas. Hein. C'est vrai. Alors, voyons voir. Gozer qui aimerait bien savoir la compétence de cuisine de Melodias. C'est vrai que ça serait drôle si dans un épisode on nous dit pourquoi il est si mauvais que ça, Melodias en cuisine. Talisman ancien, donc talisman de DS augmente la résistance de Elisabeth de 1. Voilà, alors une sphère en plus. Et pour ban la vieille pièce en pierre, donc 10% de PV à ban en plus. Oh là 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 là. Oh, amélioration de Diane, un rubis. Donc talisman de serpent. Donc 20% de PV à Diane. C'est parfait. Et écoutez, c'est parfait, ça commence à ressembler à quelque chose. Franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Alors voyons voir cette quête. Alors, la fontaine de Jouvence, donc ban contre le démon rouge. Ban se rend à la forêt du roi des fées, enfui profondément dans les forêts du nord de Britannia. La forêt lui rappelle alors les événements tragiques qui ont eu lieu dans, par le passé. Ah, ça c'est le fameux passé de ban. Mais on le fera au prochain épisode, les amis. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner, ça me fera très plaisir. Allez, bye tout le monde!